Ça y est, Antoine Griezmann est passé à autre chose concernant le capitanat donné à Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Antoine Griezmann, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Antoine Griezmann était en conférence de presse et la première question qu'on lui a posée, c'est que est-ce qu'il est toujours fâché par rapport au capitanat donné à Kylian Mbappé? Il a dit que non, il est passé à autre chose. Et moi, je trouve vraiment que c'est une très bonne chose, les gars. Parce que ce n'est pas pour une histoire de capitanat que tu vas arrêter de jouer au foot. Lui-même, il a dit. Il a dit parce que lorsque le journaliste lui a posé la question, est-ce que tu as envisagé quitter l'équipe de France? Il a dit jamais de la vie. Impossible. Sauf si on le dégage. Sauf si on le dégage. Il a dit en aucun moment il n'envisagerait quitter l'équipe de France. Qu'il aime tellement l'équipe de France. Et moi, je trouve vraiment ça classe de sa part. Parce que généralement, vous savez, l'histoire des capitaines, ça pourrit souvent une équipe, ça pourrit un groupe, ça pourrit un vestiaire. Donne-moi ton avis en commentaire par rapport à cette thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.